depuis 10 mois une bête féroce tuait des brebis. Il y avait eu 410 moutons de tués en 10 mois. Et ce jour-là, dans la chasse au sanglier, ben, on a malencontreusement ou on a eu la chance de tomber sur cet animal. Il est passé donc entre mon père et moi et on l'a abattu. Et il dit à la fin de son rapport qu'il s'agissait bien d'un loup, mais avec un petit air canin. Voilà, donc c'était apparemment un loup hybride hein, qui avait été croisé, qui avait vécu en captivité, parce qu'il avait deux gros cales sous les pattes, comme quoi il avait stationné sur du sol dur. Donc il avait vécu en captivité, il a été soigné par l'homme, et forcément il a été lâché par l'homme. Voilà, c'était une grande première, avant qu'il ne revienne naturellement, hein, comme on dit, mais celui-là, il avait été lâché par l'homme, mais il y en a la preuve, quoi, voilà. Dans les années 91-92, on avait des bêtes qui disparaissaient, qui étaient tuées, sans savoir ce que c'était. Courant novembre 92, je me suis rendu donc à mon troupeau un soir avec mes chiens bergers et mon fusil, puisque je suis chasseur. Et j'ai trouvé le troupeau tout groupé et les chiens sont partis après une bestiole que je n'avais pas vue et ils me l'ont ramené et j'ai pris ça pour un chien, pour une bête sauvage, bon, que j'ai tiré et que j'ai tué. Et il s'est avéré que c'était un loup. D'après les constatations faites après.